Croc, Croc, Yora, puis Zul, je vais pas les présenter à chaque fois quand même. Donc avec une team de type bête, donc je vais faire un truc qui vous paraîtra un peu bizarre, c'est que je fais ça. Et en fait uniquement pour lui faire des dégâts. Voilà. Là j'ai fait griffe noire et je switch. Je fous plein de dégâts, bien plus que ce qui se soigne. Puis, appel des ténèbres. Et là, je le finis. Voilà. Sort quand même qu'il faut faire attention parce que ses soins passent en priorité à la fin du tour sur les dégâts de flamme du crépuscule. Donc là on switch, je pense que c'est mieux de switch comme la Wii U. Et là comme on aime les... Ouais, pour moi ça c'est un appel à s'auto-prendre des dégâts hein. Ni plus ni moins. Donc je m'auto-prends des dégâts parce que j'aime ça. Parce qu'en plus ça va très vite. Oups. Oups. Bon. Il va me tuer les deux. C'était peut-être pas une bonne idée. À moins qu'il ne se tue lui. Ouais, il se tue lui-même. C'est bon. Tour 15. Victoire tour 15. Et il y avait une mascotte qui était même pas sortie. Donc vous voyez, même si ça semblait bizarre de sortir la griffe noire pour l'attaquer après, pour switch après, ça, parce que ça dure 3 tours, quoi. Ça, c'est fait. Tour 14, il est vaincu.